en direct avec Brigitte Henriquez. Bonjour, merci d'être en plateau avec nous. Vous avez été joueuse internationale de foot, surtout première femme à avoir dirigé le comité olympique et sportif français avant de démissionner en mai 2023. Autant dire que vous avez été au cœur de la machine, les négociations, les plans, les stratégies et la préparation aujourd'hui qui nous amène donc à Marseille. Premier événement, première étape de cette fête qui s'annonce grandiose à Paris le 26 juillet prochain. Ça devient la réelle, on l'a entendu avec ce Marseillais. Enfin, les Français prennent conscience que l'événement arrive. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, j'ai eu la chance d'être au cœur du réacteur. Et puis aujourd'hui, oui, c'est un grand jour parce qu'on dit souvent que pour tous les Jeux Olympiques, à chaque fois que la flamme arrive dans le pays, ben voilà, la population commence à se sentir concernée. On sent la ferveur qui commence. Et puis on le voit bien, là, à Marseille, effectivement, c'est le cas. Ça veut dire qu'on va entendre un peu moins les grincheux. Vous avez été surprise, vous, que les Français rouspètent autant autour de ces Jeux ? Non, je n'ai pas été surprise parce que j'ai envie de dire quelque part c'est un peu français, mais pour autant, vous savez, c'est carrément français, avant Tokyo, c'était aussi comme ça. Ah bon. Il y avait aussi des mécontentements à Londres aussi, donc ça fait un peu partie de l'aventure. Et le soutien de la population, il est vital, ça se construit par étapes, j'imagine ? Oui, c'est très important et justement, dans le cadre du Relais de la Flamme, c'est important que, on sait que ça va passer par plus de 70 départements, 400 villes, et c'est vraiment une occasion justement de concerner l'ensemble des habitants de ces différentes villes, parce que les Jeux, c'est à Paris, il y a aussi bien sûr d'autres épreuves qui vont être un peu ailleurs, mais c'est très important en fait de se rendre compte, voilà, de la ferveur qu'il peut y avoir, de mobiliser les jeunes, les enfants. C'est la fête, les Jeux, c'est le sport, ça inspire, ça fait rêver, et voilà, la flamme qui va traverser toutes ces villes, c'est quelque chose de fabuleux. Vous avez fait le déplacement à Tokyo en 2021, notamment avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec toute la délégation française, et vous avez ramené, non pas la flamme, mais le drapeau olympique. Ça, c'était la première étape avec Anne Hidalgo. Là, aujourd'hui, on voit que c'est un événement exceptionnel qu'on est en train de vivre avec une arrivée spectaculaire. Alors, c'est peut-être très franco-français, mais bon, on a ces images quand même de la rade de Marseille, de finalement l'attention, l'excitation qui est en train de monter. Ça, on l'avait vraiment jamais vu, non ? Ailleurs, dans un pays, une arrivée de la flamme aussi médiatisée. En tout cas, vous avez raison de le dire, parce qu'il faut quand même se rappeler que Tokyo, c'était juste en période Covid. Ah oui. Et donc, il n'y avait pas de supporters, il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait pas toutes ces ferveurs, parce que malheureusement, à cause de la crise sanitaire, ce n'était pas possible. Donc là, c'est les premiers Jeux, en fait, où on va retrouver effectivement l'ensemble du public. On va avoir vraiment tous ces fans des Jeux, tous ces habitants. Et moi, je n'ai pas non plus le souvenir d'une telle cérémonie protocolaire pour l'arrivée de la flamme avec un magnifique bateau, comme vous l'avez dit. Donc, c'est vrai que, voilà, les Jeux, le slogan des Jeux olympiques de Paris 2024, c'est ouvrons grand les Jeux. Là, je crois qu'on fait très fort avec la ville de Marseille et cette belle cérémonie qui va avoir lieu ce soir. C'est un immense défi d'accueillir le monde entier à partir du 26 juillet. C'est quoi le défi principal ? C'est de respecter le budget ? Bah, vous savez, je crois que l'enjeu principal, c'est déjà d'avoir des médailles, parce que des Jeux réussis, bien sûr que c'est d'avoir nos Français qui brillent, parce que du coup, ça va permettre vraiment d'avoir toute la France derrière nos athlètes. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, vous le savez comme moi, c'est la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose de très, très important, surtout dans le contexte qui est le nôtre. Mais je suis plutôt, sereine par rapport à ça, parce qu'il y a des moyens très, très conséquents qui sont mis en place. Les choses ont été prises très, très, très au sérieux. Oui, regardez l'Euro 2016 de football, juste après les attentats du 13 novembre. Ensuite, bien sûr, une excellente organisation. Et là, les équipes de Tony Estanguet sont vraiment, depuis des années, en train de préparer tous ces tournois olympiques. Je rappelle, 329 épreuves qui vont avoir lieu pour 28 disciplines olympiques. Donc, c'est énorme. Et puis, bien sûr, les Jeux, ils sont réussis si on a vraiment une émulation, un élan citoyen et puis surtout un héritage. Ça, c'est aussi important, et l'héritage, voilà, il est aussi bien, bien déjà entamé. Et on aura aussi de l'héritage pour le sport, pour la société. La grande cause nationale 2024 du sport en France, portée par Madame la ministre des Sports. Voilà, tout ça, c'est les critères de réussite des Jeux Olympiques. Là, tout est prêt ou il y a encore un peu de boulot avant le 26 juillet ? Il y a toujours du boulot jusqu'à la dernière minute, mais en tout cas, le timing est respecté. Vous avez pu voir au niveau des infrastructures, tout est prêt. On a des magnifiques infrastructures qui sont déjà inaugurées. On l'a vu avec la piscine. Il y a eu d'ailleurs les athlètes de
waterpolo femmes qui ont pu faire leur compétition dedans avec les supporters français. Donc en tout cas, tout est prêt, mais jusqu'à la dernière minute, bien sûr, il y a des choses à faire. Vous avez vu aussi la tour pour les juges à Tahiti, bien sûr, avec la vague de Te Ahupo, voilà, où on attend avec impatience de voir aussi cette épreuve de surf. Ça va être magique. Mais bon, ça y est, elle est bien en place. Tout à fait. On va suivre donc toute la journée l'arrivée de la flamme à Marseille. Image très attendue, c'est le débarquement à 19h39, très précise, du premier porteur de la flamme. Alors ça devrait être Florent Manaudou. Cédric nous a mis un peu le doute. Normalement, c'est lui. Est-ce que c'est un bon choix ? Bon, écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu déjà alors Manaudou, sa sœur, le 26 avril, qui avait justement gagné aux Jeux d'Athènes. Elle est la première Française si jeune, gagné une médaille olympique. Donc on sait aussi que son frère Florent va aussi être en compétition pour ces Jeux olympiques. Donc bien sûr que c'est un très très bel athlète. Mmh. Il est porteur, je trouve, d'inspiration pour notre jeunesse. Et puis c'est bien que du coup, tous les jeunes de Marseille, en le voyant, puissent aussi avoir envie de se dépasser, de venir s'entraîner, d'aller dans les clubs pour avoir de telles performances. Et il se dit que Zinedine Zidane, le Marseillais Zidane, pourrait être de la partie tout à l'heure. Est-ce que vous avez des infos ? Non, j'ai pas d'infos, mais j'espère bien qu'il portera la flamme à un moment donné, en tout cas. Donc après Marseille, c'est parti pour un grand Tour de France. Hein, vous le disiez, pas moins de 400 villes, 70 départements. Vous-même, vous allez porter la flamme. Oui, j'ai cette chance de la porter. C'est un véritable honneur pour moi, comme pour les 10 000 porteurs de flammes. Voilà, on les appelle les éclaireurs. Et puis ce qu'il faut dire aussi, l'originalité justement de Paris 2024, c'est que cette fois-ci, Tony Estanguet avec ses équipes ont décidé de faire participer le maximum de personnes, donc 10 000 relayeurs. Et pour la première fois, on a 69 relais collectifs. Ce choix-là, c'était vraiment pour faire en sorte que toutes les fédérations en fait puissent être reconnues et c'est leurs licenciés, leurs bénévoles, leurs arbitres, joueurs, toutes les personnes finalement qui font le sport au quotidien en France puissent aussi être choisies pour porter la flamme. Et ça, c'est nouveau. Me dit-on à l'oreillette, et des acteurs aussi qui ont été choisis pour porter la flamme. Des personnalités, bien sûr, qui sont investies aussi dans le sport. Et voilà, en tout cas, c'est une grande, grande fierté pour moi de la porter. Et le passage de la flamme dans les départements et dans les villes spécifiques, c'est choisi par qui, par quoi ? Alors, en fait, il y avait une demande au département d'être volontaire, puisque évidemment, ça a un coût pour pouvoir organiser cette cérémonie autour de ce portage de la flamme. Donc, je vous dis, il y en a eu 70 qui ont répondu présents. Et là encore, c'est une belle innovation de faire en sorte qu'on ait un Tour de France comme ça pour l'ensemble des départements et des villes et des habitants de la population française. Comme je vous le disais, c'est là qu'on se sent concerné. Donc ça va faire briller les yeux, ça va mettre des étoiles dans le regard de beaucoup. Et comme le disait Marc tout à l'heure qu'on a entendu, ça fait du bien dans ce contexte-là de pouvoir avoir justement cette flamme qui va briller dans nos yeux à chacun. L'autre nouveauté, Brigitte Henriquez, c'est la parité. 10 500 athlètes, autant de femmes que d'hommes. C'est un combat que vous aviez porté en tant que présidente, c'est un aboutissement ? Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais vous faire sourire, mais les derniers Jeux de Tokyo, il y a eu plus de médailles de sportives françaises que d'hommes. C'est une petite anecdote, mais on en est quelque part un peu fiers. Ça donne de la visibilité aussi aux sportives. Oui, c'est pour moi un engagement depuis longtemps. Vous le savez, avec le poids de l'histoire, les femmes n'ont pas toujours été autorisées à participer aux Jeux Olympiques. C'est Alice Millat qui nous a permis ce bonheur-là dans quelques disciplines tout au début du siècle. Donc c'est sûr que c'est une date à noter, parce qu'il y aura dans chacune des délégations autant de femmes que d'hommes. Voilà, et j'espère en tout cas que ça sera aussi une occasion de laisser un héritage fort pour le sport féminin. Vous savez qu'on souffre de retransmission et que... Le foot féminin commence à s'imposer. Oui, alors moi je vous parle du sport féminin, parce que président du Comité national olympique et sportif français, ça concerne et ça concernait toutes les disciplines. Oui, bien sûr que le football féminin, j'ai envie de dire, a entre guillemets la part belle, mais on peut encore faire davantage. Mais il faut vraiment qu'il y ait, aujourd'hui on est à peu près à 16%, si je ne dis pas de bêtises, sur les retransmissions. Vous avez vu l'équipe de handball qui a encore gagné la dernière compétition, qui était médaille d'or avec les garçons aux derniers Jeux olympiques. On a aussi nos basketteuses qui sont super, les filles du 3-3, le volet va aussi, j'espère en tout cas, pour continuer de progresser. Et puis le rugby, le rugby à 7. Moi j'avais pu voir la finale à Tokyo contre la Nouvelle-Zélande de nos Françaises. Voilà, j'espère vraiment aussi qu'elles performeront comme dans les autres disciplines. On en a beaucoup d'autres, que ce soit les hommes ou les femmes. On espère que la France sera dans le top 5 des meilleures nations.
Vous disiez en 2021 que la France était au taquet pour ces Jeux de 2024. Vous espérez combien de médailles? Écoutez, plus que le nombre de médailles, là aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est vraiment le top 5, en fait, qu'on puisse atteindre ce top 5. Ça, c'est possible? Bon, écoutez, bien sûr, tout est possible. Et puis surtout, vous savez que le comité olympique et sportif français, en tout cas, je vous le dis, moi, ça me tenait vraiment à cœur, c'est qu'on puisse avoir dans les infrastructures un club de supporters, vraiment, pour, avec des drapeaux bleus partout, pour pousser les athlètes français. On l'a vu à J-100, au Palais éphémère. Voilà, il va y avoir vraiment un engouement incroyable aussi dans les infrastructures pour porter nos athlètes. Et l'avantage à la maison, c'est aussi ça. Donc, en tout cas, on sera tous derrière eux. Et puis, vous le savez, avec Claude Onesta et le programme Ambition Bleue, soutenu, bien sûr, par le ministère des Sports. Et ben voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour mettre nos athlètes dans les meilleures conditions. Donc voilà, toutes les parties prenantes étaient très très solidaires et ça va le faire. Avant d'en venir à l'actualité internationale qu'on développe tous les jours et ce monde de plus en plus troublé, Xi Jinping et Emmanuel Macron ont appelé à une trêve pendant ces Jeux. Message bien sûr nécessaire, vœux pieux. J'ai envie de dire, tout le monde n'espère que ça. Et c'est vrai que le sport, voilà, c'est aussi le symbole de la paix. On sait que la flamme, voilà, bien évidemment, que c'est aussi symbole de quelque chose de très fort. Donc la trêve olympique, normalement, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans l'institution même du comité international olympique. On sait qu'elle a été rompue pour les Jeux paralympiques de Pékin. C'était quelque chose d'incroyable. Donc écoutez, appelons de tous nos voeux que cet événement, il permette d'avoir un certain souffle et surtout une très très grande pensée voilà, pour tous ceux qui sont touchés par la guerre, quel que soit l'endroit, et toutes ces familles voilà, qui attendent la libération des otages. Merci infiniment Brigitte Henriquez.